Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Cameroun Magazine pour vous informer. Au sommaire, urgent, insécurité à l'université de Ngaoundéré. Les étudiants et le personnel de l'université de Ngaoundéré vivent désormais dans la psychose. Les agressions à l'arme blanche ne cessent de semer la panique et de créer une atmosphère d'insécurité. Les responsables de cette université sont indifférents malgré le danger. Selon des sources, les agressions sont devenues monnaie courante. Trois enseignants, dont deux hommes et une femme de la faculté des arts et de la faculté des lettres et sciences humaines de ce campus, se sont fait violemment agresser par des individus armés de machettes alors qu'ils sortaient des travaux d'examen à 23 heures. À une époque, dans cette université, il y avait un comité de vigilance organisé par les étudiants et payé chaque fin du mois. Aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle génération d'étudiants dont la moralité peut être menée à confusion. Le bandit ne vient jamais de loin pour vous agresser, renchérit un responsable de cet établissement. Il nous a été rapporté que le seul lieu de sécurité de ce campus est le bloc administratif. Restez connectés pour la suite, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.